La direction et le personnel de l'hôpital général de Gagnoa, rebaptisé Hôpital du Bonheur, ont organisé vendredi 1er mars 2024 dans l'enceinte de l'hôpital la première édition de la journée scientifique de l'établissement sur le thème « L'allaitement maternel en Côte d'Ivoire, recommandations et réalités du terrain » avec pour invité le professeur titulaire de pédiatrie, professeur Asekwadio Vincent, responsable de l'enseignement de la cellule pédagogique de pédiatrie de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Le professeur Assé, dans son intervention, a dénoncé le sévrage des enfants avant l'âge de 2 ans révolus qu'il a attribué aux croyances. On dit, ensemble, mettons-nous ensemble pour qu'un enfant tel qu'à 2 ans, toi tu dis autre chose. Tu mets en mal le système. Donc, publiquement, je dis à tout le monde, le ministère de la Santé, à travers le programme national de nutrition, et l'ensemble des professeurs de pédiatrie disent qu'un enfant, il est nourri au lait, au sein, jusqu'à l'âge de 2 ans, sauf si la maman a un problème de santé. Dans le cas concret, c'est ce qui doit être fait. Le directeur de l'hôpital du Bonheur, Dr Adolphe Yao Kwaku, a indiqué que l'organisation de cette journée scientifique permet un dialogue direct pour évaluer le besoin de la vingtaine de services que compte l'hôpital du Bonheur. Pour nous, l'hôpital général, vous l'avez compris. Et peut-être d'autres moyens de travailler va faciliter notre collaboration. L'hôpital général de Gagnoa se veut non plus l'hôpital Chitok, mais l'hôpital du Bonheur. Construit en 2010 et ouvert en 2012, l'hôpital général de Gagnoa a été inauguré en mars 2013 par le président Alassane Ouattara.